Kiba. Quand on gagne plus, ça gagne un canal de car. Papa général qui pour nous. Gagne comment pour Kiba? Gagne mon cigare. Kiba n'a pas Kiba. Mais papa, n'ajoute la drogue pour le banga et mon co. Parce que n'a somme le pain, bamberinga, n'a serre boy. Ma camouza pour s'imbatter. Donc il n'a pas voulu s'atterrir. N'a sali ma camouza pour s'imbatter. N'a qu'elle est dans l'état qui vous expliquait bango. Moto tekere qui n'a pas percé, bamberinga bongo. Quand on gagne plus, ça gagne un émeri du moins là. Juste ça va bon là. Il n'y a pas la solution. Solo et Zali, solo Baliak, et quoi, solo Pamba et Zali Boumé, solo. Oyobino Boyoki, et Zali Bongo. Justice à la Bola, et il faut soutenir Bana et Congo Central. D'abord, Babotolo le Pang. Naveni Nabino, au Sali 5 ans, Maïa Yakati. Ou Bangadi, ou Bosilanga, et Napoya, Napoyati, Yaka Kolombelango, Nakati et Mission Abiso. À côté de la Rango, chaque mardi, la 21h30. Chaque jeudi à 21h30 et puis chaque vendredi à 12h15. Bino Mounio Sobosa la Kamabi, vous avez une justice à la Bola, ici et ici. Sabola, tout à la Rayango, par les émissions la Bino, les Saint-Pont la Bino, par problème la Bino ne sont pas une solution. Solution, justice à la Bola. Pas la Congo Centrale, justice à la Bola, émission au président Soukaino. Bonsoir à vous tous qui nous rejoignent en ce moment. Bino Balandia, émission Otobengi, Jitis Ababola. Dans l'émission Jitis Ababola, Lelo, notre invité d'aujourd'hui, c'est Monsieur Excellence, Monsieur Lokonit Raphaël. Hein? Donc, lui, il est le commissaire général à l'énergie et les ressources hydrauliques. Ça veut dire que tout ça, l'émission, il y a un projet au gouverneur Zanangogi, le gouverneur Gibando. Hein? Ça veut dire que pour nous, nous avons un courant dans le monde. Nous avons une régie de zoo. Parce que la crise est maille. Et ça va tourner à côté où elle est colo, maille m'a sauté. On va juste solution pour ça la bien. Et ça, monsieur Labino, si ça a beau là, autobaké, Bino Babola, vous avez mouta côté de la Bino, vous avez mérité du mot là, autobiké, émission où elle est sur un problème. Où il n'y a pas l'angaï, tu vois le belango. Mais le pain à mon nom, l'étape est défoncée. Donc, ministre, c'est pour une émission, mais je invité à l'hôtel, je suis au salon. Donc, vous avez dit que vous avez une émission de l'école, vous avez une suivez la voix. De la prise d'eau. Après la prise d'eau, nous allons voir comment se passe pour que nous puissions clarifier cette eau. Après la clarification, nous allons voir comment se fait la désinfection. Ben ça, c'est de l'eau que nous captons, ça contient la saleté et nous nous précédons à l'épuration. Et pour épurer, il y a des étapes que nous allons voir. Mais au début, là, c'est la prise. Ici, nous sommes au niveau de la prise et nous les réalisons moyennant des groupes motopompes submersibles. Donc, et les moteurs et la pompe se plonger dans l'eau. Et ça nous prend cette eau, ça envoie vers la chair. À quelle profondeur? 14 mètres. Nous sommes à 14 mètres. Et jusque-là, Excellence, à ce niveau, il n'y a aucun problème. Il n'y a jamais de problème. Non, ici, même pendant il y a la saison du plus. Non, là, il n'y a pas de problème. Ici, il n'y a pas de problème. Vous et verrez là où il y a des problèmes. Ils m'ont dit que les gens jettent au niveau du fleuve. Ça ne vient pas déranger les captages. Bon, vous voyez comme l'endroit ici,
c'est vaste. Oui. Ça passe de l'autre côté. Ah, oui, oui. Elle monte, elle arrive même au niveau de là où se trouvent les pompes de surface. Et vous verrez déjà le niveau de l'eau quand elle monte. L'eau arrive même jusqu'à ce point-là. Même si elle montait, comme ce sont des pompes qui sont conçues pour pratiquement être dans l'eau, là le problème ne se pose pas. Donc, ce sont des équipements électromécaniques, ça fonctionne avec du courant. Donc, la régie des eaux est équipée d'une ligne autonome que vous voyez, moyenne tension, qui pose jusqu'ici. Jusqu'ici et ici, à part la passerelle, les points de prise, nous avons notre station moyenne tension. Il y a une cabine. Il va voir, puisque nous sommes à l'issue. Nous avons une cabine de transformation pour que nous ayons l'énergie de bonne qualité. Pressant, les équipements vont s'arrêter brusquement. Et toute la colonne d'eau qu'on avait envoyée vers l'usine va retourner. Donc ça va rentrer avec une onde de choc négative. Cette onde de choc négative va chercher soit à faire éclater la conduite ou endommager les machines. Mais c'est ces réservoirs ici qui, comment dirais-je, qui amortit les chocs. Comment? Donc c'est-à-dire que aussitôt qu'il y a coupure, il y a une couche d'eau qui descend pour bloquer la descente de l'eau qui était déjà dans le puits. Oui. Et ça s'est fait automatiquement. Donc c'est plein d'eau. Ouais. Ça amortit. On peut appeler ça amortisseur. C'est un terme vulgaire. Par rapport à la capacité, c'est approprié. C'est approprié. C'est pour épargner seulement le pompe immergé. Pompe immergé et même la canalisation. Même le structure. Oui, ça peut s'éclater. Ça peut éclater aussi. Ouais.
ce moment. Si nous sommes dans les magazines aujourd'hui, nous allons donc recevoir le commissaire Raphaël Loco avec la régie de zone ce matin de voir quelles sont les problématiques de la régie de zone par rapport à la pomme au Bazan Ango. Alors vous allez sur ces magazines que nous sommes en train de réaliser, vous allez vous comprendre la pomme nous sommes à Awa, nous sommes en train de faire le bon retour de la ville et vous allez comprendre. Soyez la bosse de l'image de la zone. Le sulfate. Parce que le sulfate, c'est un coagulant. Ça déstabilise toutes les particules colloïdales. Maintenant, quand nous arrivons au niveau du floculataire ici, il y a l'agglomération, le grossissement. Le floculataire. Quand nous arrivons ici, maintenant, il y a l'agglomération, le grossissement des petites particules. Si vous essayez de voir de très loin, vous trouverez des petites boules là. Le floculataire. Ça joue le rôle, il y aura grossissement des de particules colloïdales. On a aussi, ça va passer dans le décanteur. Et dans le décanteur, au début, nous avons des grosses poches là. Alors toutes ces particules colloïdales vont devenir ça devient de la boue.
la boue va commencer à descendre oui, en bas et puis l'eau commence à s'éclaircir. Vous allez voir ça quand nous allons être dans l'étape cette boue est évacuée lorsque vous faites l'entretien. Oui, nous avons des purges, on a l'habitude d'évacuer. Et puis après 4 mois, nous vidangeons toutes les saletés et puis on essaie de faire l'entretien et puis on remet le décanteur en service. Vous voyez même la couleur. Donc nous avons capté de l'eau brute avec toute la saleté que ça pouvait contenir et ici là, nous faisons la clarification. Pour la clarification, donc l'eau qui était sale, nettoyer cette eau, faire devenir cette eau claire, on se sert du sulfate. Sulfate que vous avez vu là-bas. On a injecté le sulfate au niveau de la colonne de mélange et nous sommes ici au flocculateur. Quand il y aura grossissement des particules colloïdales, nous allons amener ça à la décantation. Là, la décantation, les particules qui pouvaient s'y mettre claires. Après la clarification, nous allons passer à l'étape de la filtration. Il y aura des particules solides qui vont échapper à la décantation et quand on arrive là-bas, ils seront récupérés. Donc ça, c'est l'étape de la clarification. Et puis cette étape ici... ici n'est pas à mesure de contenir tout cet eau qui vient de là en bas. D'où il faut doubler cet ouvrage ici. Et c'est prévu dans... Enfin, parce que vous avez dit dans la concession, il y a un espace qui est déjà prévu. L'espace ici. C'est ici. Oui. Ça sera élevé. Non. Vous voyez que là où il se trouve, ça, on va descendre un petit peu, on va creuser et puis on arrive à ce niveau-là. Comme ça, nous avons deux ouvrages en parallèle. Ça peut contenir pratiquement toute cette eau qui vient de là. Et là, nous pouvons ouvrir même les deux vannes intégrales. Là, c'est avec les 7 millions. Oui, effectivement, c'est dans les 7 millions. Voilà, Excellence. Donc, parce que déjà, avec les 1300 de captation, on ouvre complètement la vanne. Ça déborde. Ça s'est rempli et ça commence à se déborder. Okay. L'espace au moment. Vous allez comprendre que cette usine a été la dernière réhabilitation des ouvrages. C'est en 1991. Avec les projets PEMU, c'était juste les équipements électromécaniques. Donc, la capacité d'antan, là nous avions des petits groupes au captage. Avec ces mêmes ouvrages, nous avons agrandi les groupes. Il y a beaucoup d'eux qui viennent. Mais les ouvrages ne peuvent pas nous servir pour les traiter. C'est le vrai problème que nous avons. Les mêmes décanteurs, mêmes flocculateurs, et nous allons voir d'ailleurs, les filtres sont incomplets. Aussitôt qu'on lance ce filtre, un problème.
16, il y a 16, il y a 8 modules là-bas. Et là, il y a 8. Ici, il y a 9 filles. Il y a 9 filles. Il y a 9 filles. C'est comme si nous avons une manifestation ou un cas de deuil. Mm-hmm. On vous apporte une nourriture en quantité suffisante, mais vous n'avez que, je crois, des marmites. Ou 3 marmites. Il y a la nourriture en grande quantité, mais vous ne savez pas tout préparer. Voilà. Nous avons de l'eau en grande quantité, mais les ouvrages font défaut.
vous entendez bien. Nous sommes dans l'emploi provincial, donc nous ouvrons toute la province au corps central. Et les sièges se trouvent ici, à Batate. Donc, vous allez constater avec moi, la direction nous a doté d'un certain nombre de matériels, équipements, appareils de mesure, même un véhicule pour effectuer les prélèvements au jeu de distribution. Alors, vous allez aussi remarquer avec moi ici, je fais même la synthèse pour moi. Donc, nous commençons d'abord pour l'eau brute. Après avoir injecté les sulfates, nous clarifions l'eau. Nous avons l'eau décantée, ça c'est au niveau des décanteurs. Il y a un rabattement quand même des couleurs. Nous sommes partis de 260. Il y a un taux de rabattement après décantation de 54. Après la décantation, l'eau n'est pas encore du tout claire parce que nous sommes plus dans la phase de la clarification. Nous passons au niveau des filtres. Après la filtration, l'eau devient claire. Vous voyez les rabattements au décanté 54. Mais au filtré, c'est plus. Après ça, c'est l'eau décantée. La couleur reste la même parce qu'après la filtration, il y a plus d'autres étapes de traitement. Juste la désinfection et la corrosion du pH. Donc on injecte le chlore pour tuer le chlore et la chose de pour remonter le pH pour que le pH soit quand même un pH de prix pour proposer le produit au niveau des. C'était dans le 55. Donc nous sommes dans le bon. On est dans le bon. Alors ça, c'est un chlorimètre pour mesurer la quantité restante de chlore quand on désinfecte l'eau. Avec le chlore c'est pour tuer les microbes. Quand on tue les microbes, il doit y avoir une quantité restante. Il doit y avoir une quantité restante de chlore. Et cette quantité restante là, c'est ce que nous appelons le chlore résiduel. C'est cette quantité restante là qui doit maintenant assurer la potabilité pendant le parcours, pendant la distribution. Alors à ce moment. Bien disposé à nous produire et à nous donner un produit de qualité et en quantité suffisante, mais l'entreprise est liée à certaines difficultés liées à la production et purement à l'ouvrage. Nous allons voir dans la mesure possible comment informer l'autorité, son instance financière et gouverneur, et proposer des pistes de solutions. Et un grand espoir, puisque même l'autorité provinciale qui a été contactée à ce sujet, nous l'avons vu, en tout cas, il est prêt à nous assister. Et la population soit patiente et doit faire confiance à la régie des eaux, puisque comme on a un peu d'eau pour tous, dès que nous aurons amélioré, n'est-ce pas, notre façon de travailler, c'est-à-dire dès qu'on va construire les modules qui manquent, ils auront de l'eau en abondance 24/24. À la fin de cette émission, j'étais à Abola et M. Nabine Bolandaka, le bibiso côté de la Abola, Bamela Yolopango.
bamela mbongo basalo mambebele omoni ke solution ezate soko luke mairie du mwela la canal ka okozwa solution parce que toko yambo na emission oyo otolobela makambo oza nango alors to comme na soko emission lelo nasi botola ndawana na régie des tourna excellence monsieur Lokoni tu Raphaël toti ko visiter régie des eaux ya Tabeka et bongo to uti soutien na régie des eaux ezala mposo. Vous comprendre ma problème dans la régie des eaux. Vous comprenez bien que la régie des eaux dans la première belle, où l'État s'implique maintenant pour trouver une solution pour que Mambek ait bien. Fatih Beto Lobaginin, elle dit que d'abord les peuples. D'abord les peuples, il y a tout le monde qui a réalisé un salement par rapport au gouverneur et au ministre Naïe pour le projet de Zali Baosala. Donc vous comprenez que l'émission de la Bino, pour l'Andarango, c'est l'émission de la Bino. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. À la prochaine pour notre numéro. Ciao. Bana Matad, Bana Yamwanda, Bana Yakongo Central. Tata Mayumbi, Seki Banza, Kinza Fouetti, Sanda, Tchoufouero. Bana Yamukinzi Mubimba. Kana Ngeme Kouizaga na Kanali Ka. Papa Général Kipungu. Ngeme Kouma Koutouba, Ngeme Osika, Touba Nya Koutouba. Mais Papa, Nazana Drouye Koulubanga Yimoko. Parce que, Nasombi Lupang, Bambiringa, Nasara Boy. Chaque mardi à 21h30, chaque jeudi à 21h30 et puis chaque vendredi à 17h40. Bino nyo sobo sala kamapi, pouwe ba ke justice à Babola, ici et yi. Sabola, tout à la rayango, balbise émission la Bino, c'est impon la Bino, ba problème la Bino nyo son, pose solution. Solution, justice à Babola. Bana Congo Central, justice à Babola, émission mon présent Soukaino!